راحل والشوق يهنيق بلا والدجى يرقوب خطوي واجلا فأنا النور الذي يغريقه وأنا الجرح الذي من ذا ملا راحل والشوق يهنيق بلا خطوي على درب العلا لم تزل من آثمي منشودة صارها الفجر وغناها الأولى وأنا كل جمود طامح مظلم الخطوي على درب العلا لم تزل من آثمي منشودة صارها الفجر وغناها الأولى. Ces pauvres thèses pseudo-écologiques sont reprises en chœur par tous les politiciens véreux à court de slogans publicitaires. Mais ils se gardent bien de proposer un changement radical dans le système de production. Il s'agit, comme toujours, de changer quelques détails pour que tout puisse rester comme avant. Mais pour rentrer dans la ronde de la consommation frénétique, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler, c'est-à-dire se vendre. Le système dominant a fait du travail sa principale valeur. Et les esclaves doivent travailler toujours plus pour payer à crédit leur vie misérable. Ils s'épuisent dans le travail, perdent la plus grande part de leur force vitale et subissent les pires humiliations. Ils passent toute leur vie à une activité fatigante et ennuyeuse pour le profit de quelques-uns. L'invention du chômage moderne est là pour les effrayer et les faire remercier sans cesse le pouvoir de se montrer généreuse avec eux. Que pourraient-ils bien faire sans cette torture qu'est le travail ? Et ce sont ces activités aliénantes que l'on présente comme une libération. Quelle déchéance et quelle misère. Toujours pressés par le chronomètre ou par le fouet, chaque geste des esclaves est calculé afin d'augmenter la productivité. L'organisation scientifique du travail constitue l'essence même de la dépossession des travailleurs, à la fois du fruit de leur travail, mais aussi du temps qu'ils passent à la production automatique des marchandises ou des services. Le rôle du travailleur se confond avec celui d'une machine dans les usines, avec celui d'un ordinateur dans les bureaux. Le temps perdu ne revient plus. Ainsi, chaque travailleur est assigné à une tâche répétitive, qu'elle soit intellectuelle ou physique. Il est spécialiste dans son domaine de production. Cette spécialisation se retrouve à l'échelle de la planète dans le cadre de la Division internationale du travail. On conçoit en Occident, on produit en Asie et l'on meurt en Afrique. L'esclave moderne aurait pu se contenter de sa servitude au travail.
Mais à mesure que le système de production colonise tous les secteurs de la vie, le dominé perd son temps dans les loisirs, les divertissements et les vacances organisées. Aucun moment de son quotidien n'échappe à l'emprise du système. Chaque instant de sa vie a été envahi. C'est un esclave à temps plein. La dégradation généralisée de son environnement, de l'air qu'il respire et de la nourriture qu'il consomme, le stress de ses conditions de travail et de l'ensemble de sa vie sociale sont à l'origine des nouvelles maladies de l'esclave moderne. Il est malade de sa condition servile et aucune médecine ne pourra jamais remédier à ce mal. Seule la libération la plus complète de la condition dans laquelle il se trouve enfermé peut permettre à l'esclave moderne de se libérer de ses souffrances. La médecine occidentale ne connaît qu'un remède face aux maux dont souffrent les esclaves modernes, la mutilation. C'est à base de chirurgie, d'antibiotiques ou de chimiothérapie que l'on traite les patients de la médecine marchande. On s'attaque aux conséquences du mal sans jamais en chercher la cause. Cela se comprend autant que cela s'explique. Cette recherche nous conduirait inévitablement vers une condamnation sans appel de l'organisation sociale dans son ensemble. De même qu'il a transformé tous les détails de notre monde en simples marchandises, le système présent a fait de notre corps une marchandise, un objet d'étude et d'expérience livré aux apprentis sorciers de la médecine marchande et de la biologie moléculaire. Et les maîtres du monde sont déjà prêts à breveter le vivant. Le séquençage complet de l'ADN du génome humain est le point de départ d'une nouvelle stratégie mise en place par le pouvoir. Le décodage génétique n'a d'autre but que d'amplifier considérablement les formes de domination et de contrôle. Notre corps, lui aussi, après tant d'autres choses, nous a échappé. Le meilleur de sa vie lui échappe, mais il continue, car il a l'habitude d'obéir depuis toujours. L'obéissance est devenue sa seconde nature. Il obéit sans savoir pourquoi. Simplement parce qu'il sait qu'il doit obéir. Obéir, produire et consommer, voilà le triptyque qui domine sa vie. Il obéit à ses professeurs, à ses patrons, à ses propriétaires, à ses marchands. Il obéit à la loi et aux forces de l'ordre. Il obéit à tous les pouvoirs car il ne sait rien faire d'autre. La désobéissance l'effraie plus que tout, car la désobéissance, c'est le risque, l'aventure, le changement. Mais de même que l'enfant panique lorsqu'il perd de vue ses parents, l'esclave moderne est perdu sans le pouvoir qu'il a créé. Alors il continue d'obéir. C'est la peur qui a fait de nous des esclaves et qui nous maintient dans cette condition. Nous nous courbons devant les maîtres du monde et leur police. Nous acceptons cette vie d'humiliation et de misère par crainte. Nous disposons pourtant de la force du nombre face à cette minorité qui gouverne. Leur force à eux, ils ne la retirent pas de leur police, mais bien de notre consentement. Nous justifions notre lâcheté devant l'affrontement légitime contre les forces qui nous oppriment par un discours plein d'humanisme moralisateur,
le refus de la violence révolutionnaire est ancré dans les esprits de ceux qui s'opposent au système au nom des valeurs que ce système nous a lui-même enseignées. Mais le pouvoir, lui, n'hésite jamais à utiliser la violence quand il s'agit de conserver son hégémonie. Pourtant, il y a encore des individus qui échappent au contrôle des consciences, mais ils sont sous surveillance. Toute forme de rébellion ou de résistance est de fait assimilée à une activité déviante ou terroriste. La liberté n'existe que pour ceux qui défendent les impératifs marchands. L'opposition réelle au système dominant est désormais totalement clandestine. Pour ses opposants, la répression est la règle en usage. Et le silence de la majorité des esclaves face à cette répression trouve sa justification dans l'aspiration médiatique et politique à nier le conflit qui existe dans la société réelle. Comme tous les êtres opprimés de l'histoire, l'esclave moderne a besoin de sa mystique et de son Dieu pour anesthésier le mal qui le tourmente et la souffrance qui l'accable. Mais ce nouveau Dieu, auquel il a livré son âme, n'est rien d'autre que le néant, un bout de papier, un numéro qui n'a de sens que parce que tout le monde a décidé de lui en donner. C'est pour ce nouveau Dieu qu'il étudie, qu'il travaille, qu'il se bat et qu'il se vend. C'est pour ce nouveau Dieu qu'il a abandonné toute valeur et qu'il est prêt à faire n'importe quoi. Il croit qu'en possédant beaucoup d'argent, il se libérera des contraintes dans lesquelles il se trouve enfermé, comme si la possession allait de pair avec la liberté. La libération est une ascèse qui provient de la maîtrise de soi. Elle est un désir et une volonté en acte. Elle est dans l'être et non dans l'avoir. Mais encore faut-il être résolu à ne plus servir, à ne plus obéir. Encore faut-il être capable de rompre avec une habitude que personne, semble-t-il, n'ose remettre en cause. Or, l'esclave moderne est persuadé qu'il n'existe pas d'autre alternative à l'organisation du monde présent. Il s'est résigné à cette vie car il pense qu'il ne peut y en avoir d'autre. Et c'est bien là que se trouve la force de la domination présente. Entretenir l'illusion que ce système, qui a colonisé toute la surface de la Terre, est la fin de l'histoire. Il a fait croire à la classe dominée que s'adapter à son idéologie revient à s'adapter au monde tel qu'il est et tel qu'il a toujours été. Rêver d'un autre monde est devenu un crime condamné unanimement par tous les médias et tous les pouvoirs. Qui rêve d'instaurer de l'Indonésie au Nigeria un califat rejetant toute ouverture, toute modernité, toute idée même de diversité. Si ces forces devaient atteindre leur sinistre objectif, nul doute que le XXIe siècle serait pire encore que le précédent, pourtant déjà marqué par un affrontement sans merci entre les idéologies. Le criminel est en réalité celui qui contribue, consciemment ou non, à la démence de l'organisation sociale dominante. Il n'est pas de folie plus grande que celle du système présent. Devant la désolation du monde réel, il s'agit pour le système de coloniser l'ensemble de la conscience des esclaves.